Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ici comment séparer les constituants d'un mélange homogène en utilisant le montage de la distillation au laboratoire. Nous plaçons dans un ballon un mélange homogène, ici de l'eau salée, que nous faisons chauffer à l'aide d'un chauffe-ballon. L'eau liquide se transforme alors à l'état gazeux, puis la vapeur monte à l'intérieur du tube. Nous pouvons lire sur le thermomètre la température de vaporisation égale à 100 degrés Celsius. La vapeur passe alors dans le réfrigérant où elle va être refroidie et repassée à l'état liquide. Cette eau liquide coule alors dans le récipient situé en dessous. Ici, un Erlenmeyer. Le réfrigérant est formé de deux tubes. Le tube extérieur où va circuler l'eau du robinet servant à refroidir la vapeur qui se trouve à l'intérieur. L'eau du robinet rentre par le point le plus bas et ressort par le point le plus haut.